tout le commissariat aux comptes. Je vous présente donc Françoise. Je passe le micro. Bonjour, je suis manager au bureau de mélange chez KPMG et moi je suis plutôt en expertise. Voilà. On va faire un tour de table. Alors, bonjour, je suis Lucas Naxa, président fondateur de Neovision. Donc, jeune start-up qui a été incubée dans ces locaux même en 2014 jusqu'à l'année dernière. Et je vais vous parler un peu aujourd'hui de mon retour d'expérience sur tous les mots-clés qu'il y a ici, en fait. On pratique tout ce qu'il y a là. Ah, peut-être pas J.E.U. Bonjour, je suis Philippe Broum, je suis responsable du service qui s'appelle Transfert Innovation au partenariat industriel à INRIA Grenoble-Rhône-Alpes. Donc INRIA, Institut National, Recherche Automatique, Informatique, Maths Appliquées. On a un bâtiment qui n'est pas très loin d'ici, et on travaille beaucoup avec Tarmac. Donc je vais vous parler du crédit impôt recherche, et puis aussi je vais en profiter pour en particulier travailler avec les PME et les startups. On a aussi, et pas que le crédit impôt recherche, il y a aussi des façons de faire des montages financiers adaptés, que ce soit en R&D ou en licensing. Voilà. Et puis je dirais, ça tombe bien, parce qu'on a déjà bossé avec l'entreprise de Lucas, par exemple. Donc, on se connaît déjà. Bonjour, Thierry Cravoisier, président et cofondateur de Rock'n'Roll. Alors, chez Rock'n'Roll, on met trois caméramens, un ingénieur du son et un réalisateur dans deux valises. Et les deux valises automatiquement vont vous permettre de filmer de façon totalement autonome et sans vous en occuper n'importe quel événement d'entreprise, conférence, séminaire, interview. Et c'est disponible instantanément. Et moi, je vais vous partager au niveau l'expérience au niveau jeune docteur, crédit d'impôt recherche, CCI. Voilà. Bonjour à tous, Lionel Chabot. Donc moi, je suis directeur général de Sensight, que j'ai cofondé avec Benoît Témence. Et nous, on fait des systèmes de vision industrielle. Donc là, vous pouvez voir, c'est un mini endoscope. Et donc, bah nous, l'innovation est au cœur même de notre société. Et pour cela, bah, je vais vous parler un peu du CIA et la façon dont on le gère. Voilà. Donc, tout d'abord, pour poser le sujet, vous voyez que les dispositifs fiscaux ont commencé il y a 35 ans par le CIR. Et depuis 2014, ça s'est un peu accéléré. On a eu le JEI, le JEU, donc Jeune Entreprise Universitaire, qui est un peu moins, fréquente que le JEI. Et petite dernière, le CI, Crédit d'impôt Innovation. Donc, j'imagine que vous avez tous entendu parler de ces choses. On voit effectivement que depuis 2008, on a véritablement une envolée donc de bénéfices, enfin du CIR en France. Donc depuis une dizaine d'années, le CIR représente quand même entre 5 et 6 milliards donc d'euros qui sont accordés, alloués aux entreprises. Alors, quelles sont ces entreprises qui en bénéficient? On a une belle part, en fait, dans notre région, en Rhône-Alpes, puisqu'on arrive juste après l'Île-de-France, avec pratiquement 2500 bénéficiaires. Simplement, on peut regarder que, même si on a 2500 bénéficiaires, on n'a que près de 10% de la part du CIR qui est allouée à nos entreprises dans la région. Évidemment, en Île-de-France, ce sont... quand même les plus grosses entreprises qui en profitent et qui ont quand même la grosse part du gâteau. Mais on peut quand même avoir un petit cocorico régional pour notre innovation au sein de nos PME et de nos entreprises locales. Au niveau, après la France, au niveau européen, on se rend compte quand même que la France est un pays de l'innovation. En effet, on a quand même au-dessus, toujours depuis 2010, on est au-dessus de la moyenne européenne en PME, en nombre de PME innovantes au niveau européen et au niveau des produits aussi qui sont délivrés et mis sur le marché. Donc, bien sûr, contribution à cette performance européenne
tous les dispositifs qui sont mis en place justement pour contribuer à l'innovation au sein des entreprises et à aider le chef d'entreprise à justement performer dans ces domaines en France. Donc je vais passer la main à Françoise qui justement va vous énoncer les dispositifs qui sont en place et qui peuvent vous permettre justement de bénéficier des avantages français en la matière. Donc un petit focus, donc un quart d'heure hein, sur les différents statuts dans le domaine de l'innovation. Tout d'abord le statut de GEI, qui est donc Jeune Entreprise Innovante. Les conditions d'exigibilité pour être une jeune entreprise innovante. Tout d'abord, il faut être une PME au sens communautaire, c'est-à-dire avoir un effectif qui soit inférieur à 250 salariés. Et ensuite, un des deux éléments suivants, soit un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions, soit un total de 1 000 ans inférieur à 43 millions. Lorsqu'on est donc jeune PME, lorsqu'on est une PME au sens communautaire, ensuite, il faut que notre société soit créée depuis moins de 8 ans. Création de société, c'est un mot fiscalement qui est très précis, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que l'on soit une création pour reprendre une activité qui existe, parce que si c'est une reprise d'activité existante, même si la société vient juste d'être créée, ce n'est pas une entreprise nouvelle. Donc il faut que la société soit réellement nouvelle, donc pas de concentration, pas de restructuration, pas de création pour reprendre une activité qui existe déjà. Ensuite, il faut qu'on soit indépendante, c'est-à-dire que le capital doit être composé à plus de 50% par des personnes physiques ou, dans le fisc français, par des sociétés qui, elles-mêmes, sont détenues par des personnes physiques. Voilà. Hein, parce que si vous avez une holding qui rachète des parts, ça peut fonctionner éventuellement. Et enfin, il faut que l'on consacre au moins 15% du volume de nos dépenses à de la recherche. Lorsque tous ces éléments sont réunis, on peut prétendre à la condition, au statut de JEI. Qu'est-ce que ça nous donne, ce statut? Tout d'abord, au niveau de soit l'impôt sur le revenu, si on est une société à l'impôt sur le revenu, soit au niveau de l'impôt sur les sociétés, si on est une société à l'impôt sur les sociétés, ça nous permet d'être exonéré à hauteur de 100% de l'impôt la première année et 50% la deuxième année. On parle d'exercice de 12 mois, hein. Voilà, parce que si on a un exercice inférieur, après il faut faire les calculs. Ça nous permet également d'être exonéré de tout ce qui est CET, qui est la contribution territoriale. Donc CET, ça concerne aussi bien la CFE, la contribution foncière des entreprises, que la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Donc c'est ce qui remplace la taxe professionnelle à l'époque de l'existence de la taxe professionnelle. Et ce, pendant 7 ans. Et ça nous permet également d'être exonérés de cotisations sociales patronales pendant 7 ans. Faire attention aux années, c'est des années qui sont vraiment de date à date. Donc faites attention à vos exercices. Hein, il y a des petites techniques qui veulent que... Parfois, il est préférable de raccourcir son exercice pour pouvoir profiter de la dernière année. Voilà, juste un petit focus là-dessus. Évidemment, toutes ces règles sont soumises au minimis. C'est-à-dire que la totalité du bénéfice du crédit d'impôt que l'on peut avoir sur 3 ans ne peut pas être supérieure à 200 000 euros. C'est une règle européenne. Donc JEI, oui, mais si le cumul ISIR, CET, cotisation patronale et d'autres réductions d'impôts que vous pouvez avoir par ailleurs font que le total sur 3 ans est supérieur à 200 000 euros, vous serez plafonné à 200 000 euros. Voilà pour le statut JEI. Un petit focus quand même sur les cotisations patronales. Quand on parle de cotisations, d'exonération de cotisations patronales, ça concerne bien évidemment les salariés qui sont consacrés à la recherche. Ça concerne également que les cotisations patronales. Les cotisations salariales des salariés, ben, celles-là, elles sont dues. Et bien évidemment, ça ne concerne pas les autres cotisations patronales. Chômage, retraite, tout ce qui est taxe d'apprentissage, taxe professionnelle, effort construction, CSG, CRDS. Donc on parle bien des taxes, des cotisations patronales d'assurance sociale. Donc les personnes qui sont susceptibles de pouvoir bénéficier de l'exonération
patronale de ces cotisations. Comme je vous disais, elles devaient concerner éventuellement le personnel de recherche, notamment donc, tout ce qui est ingénieurs-chercheurs, tous les techniciens qui travaillent avec les ingénieurs-chercheurs, tous les gestionnaires de projets de recherche, les juristes qui sont chargés du suivi de la protection industrielle, les salariés qui sont chargés de concevoir des prototypes et les mandataires sociaux. On n'oublie pas les mandataires sociaux parce que souvent c'est une des grosses parts de l'exonération. Les mandataires sociaux, c'est soit le gérant majoritaire de SARL qui lui-même, c'est un chercheur qui donc est dans plus de 70, 80, 80% de son temps dans la recherche. On s'est souvent posé la question, est-ce que ce gérant de société, il a le droit à l'exonération dans la mesure où c'est le patron? Bah oui, il peut bénéficier de l'exonération. À côté du crédit d'impôt, du jeune entreprise innovante, on peut avoir le crédit d'impôt en recherche. Alors, le crédit d'impôt recherche, ça concerne les activités de recherche. Donc aussi bien les activités de recherche fondamentale, de recherche appliquée, de développement expérimental. Alors la recherche fondamentale, bon, je pense que tout le monde sait, c'est tout ce qui est pour l'instant un petit peu encore dans le concept, qui permet d'avoir de nouvelles théories en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur des phénomènes. L'activité de recherche appliquée découle de la recherche fondamentale. Ça permet de discerner les applications possibles de cette recherche fondamentale. Et enfin, l'activité de développement expérimental, elle découle de la recherche appliquée et elle permet de regrouper tous les travaux qui sont fondés sur les connaissances qui sont déjà existantes, mais qui permettent, dans le cadre de la recherche, d'être appliquées. Alors ici, pour pouvoir savoir si vous êtes éligible ou pas, si votre projet est éligible ou pas au CIR, il faut commencer par se poser comme question, est-ce que j'ai des difficultés techniques et scientifiques? Si j'en ai pas, on n'est pas au CIR. Maintenant, oui, j'ai des difficultés techniques et scientifiques. Là, je me penche sur l'état de l'art. On verra tout à l'heure ce que c'est que l'état de l'art. Alors, est-ce que mon état de l'art, c'est simplement un développement, une adaptation de l'édite technique, auquel cas, si je réponds oui, je ne suis pas éligible au crédit d'impôt recherche. Donc, il faut que mon état de l'art ne soit pas un simple développement, une adaptation de l'édite technique. Dans ces cas-là, il y a quelques questions qu'on peut se poser. C'est... est-ce que j'ai des incertitudes scientifiques? Oui, je suis peut-être au CIR. Est-ce que j'ai un élément novateur? Oui, je suis peut-être toujours au CIR. Est-ce que mon incertitude est une portée générale et pas uniquement pour mon entreprise? Oui, donc je suis peut-être toujours au CIR. Est-ce que ça va déboucher sur une compréhension d'un nouveau phénomène? Oui, ça se précise. Est-ce que j'utilise une méthode nouvelle? Est-ce que j'ai une forte probabilité de déposer un brevet? Si je réponds quasiment oui à toutes les questions, c'est que je suis dans le crédit d'impôt recherche et que je ne suis pas uniquement dans le simple développement ou l'adaptation d'une technique. Si le brevet, pardon, si le brevet est déjà déposé? Par une autre société? Non. Vous avez déjà déposé un brevet, mais que dans l'état de l'art, par exemple, vous avez des questions sur une validation, on va dire, probante et externe de la performance de votre procédé. Alors là, il faut voir si ça amène un nouveau élément novateur avec un nouveau élément qui soit de portée générale. Alors soit c'est le cas et dans ces cas-là, vous pouvez aussi, soit ça n'est pas, mais vous pouvez peut-être être en crédit d'impôt innovation si vous allez dans le domaine de l'application via un prototype. Donc une fois que je réponds à toutes mes questions et que finalement je me rends compte que mon état de l'art, effectivement, ce n'est pas un simple développement, et ben tous mes frais de recherche fondamentale qui découleront sur la recherche appliquée ou directement de recherche appliquée, qui découleront sur du développement expérimental ou carrément du développement expérimental, ce qui peut être le cas si vous développez un nouveau pan via un brevet, tous ces éléments-là, qui feront qu'on va créer un prototype de recherche pour
permettre de lever des incertitudes techniques, parce que le but du jeu, c'est quand même ça. Tous ces éléments-là, en termes de dépenses, pourront être pris dans le cadre d'un crédit d'impôt recherche. C'est clair pour le crédit d'impôt recherche? Je vais quand même vous donner les éléments qu'on va pouvoir déduire dans le cadre des dépenses. Il y a tout d'abord les amortissements des immobilisations que l'on aura acquis pour faire cette recherche. Donc c'est bien uniquement les immobilisations qui sont destinées à la recherche. Si parmi ces immobilisations, vous allez en utiliser qu'un pourcentage, c'est-à-dire 20-30% du temps d'immobilisation pour le crédit pour la recherche, on ne prendra que la quote-part de dotation aux amortissements qui sera à hauteur de l'utilisation dans le cadre de la recherche. Ça, c'est logique. Tout ce qui est prestations, donc prestations externes, lorsqu'on fera appel à un sous-traitant par exemple, les brevets et la défense des brevets, donc le dépôt des UPI et tous les dépôts, tous les frais qui sont liés à ces dépôts-là, toutes les veilles technologiques, les abonnements à des revues, mais là on est limité à 60 000 euros par an, les salaires. Alors, pour les salaires, j'ai fait une distinction, on y reviendra après, entre les salaires proprement dit du personnel qui est destiné à la recherche, duquel j'ai extrait, vous remarquerez, la rémunération des jeunes docteurs. Donc, au niveau des salaires, on prend donc tous les salaires des personnes qui sont pas jeunes docteurs, donc qui sont pas docteurs, qui n'ont pas leur doctorat, toutes les autres personnes qui participent à la recherche, et en fonction du pourcentage de temps d'utilisation, on prend donc cette quote-part de salaire, et on prend également 50% de cette quote-part-là pour les frais de fonctionnement. Et puis au niveau de l'amortissement, j'ai oublié de vous dire, on prend aussi 75% de l'amortissement de ces immobilisations, là aussi pour les frais de fonctionnement. Et puis enfin, vous avez tout ce qui est normalisation, c'est-à-dire la participation à toutes les réunions, notamment pour la réalisation de normes européennes, nationales, régionales, etc., en fonction dans le domaine de la recherche. Et puis vous voyez qu'il reste les subventions. Les subventions, elles, que vous aurez obtenues, notamment de la BPI, etc., viendront bien évidemment en déduction des dépenses que vous prenez pour calculer votre crédit d'impôt recherche, puisque vous avez reçu une somme d'argent, vous savez bien, en déduction des dépenses pour pouvoir faire la base de calcul du crédit d'impôt recherche. Excusez-moi, juste par rapport à l'aspect normalisation, la mise aux normes d'un dispositif médical par rapport à un marquage chez eux, les autres 13485, ça rentre dans cette question? Là, il parle au niveau des normes. Je pense pas. C'est uniquement la participation à des normes pour créer des normes européennes, régionales, nationales. Le marquage CE fait partie de l'industrialisation du produit. Donc c'est pas. C'est même la norme ISO dans ce cas. Même la norme ISO, alors, 13485. Enfin, contribution à ces normes est déductible. L'application de ces normes sur des produits ne l'est pas, puisque l'application, ça correspond à une phase d'indus ou de... Voilà. C'est l'élaboration des normes, c'est le temps passé à l'élaboration des normes. Et puis donc, il nous reste nos jeunes docteurs. Donc nos jeunes docteurs, en fait, c'est donc tout notre personnel qui possède un doctorat. Là, on ne prend pas ses salaires à 100% plus 50% de frais de fonctionnement, mais on les prend à 200% plus 100% pour les frais de fonctionnement, dans certaines conditions qu'on va voir juste après. Parce que ça peut être le jackpot. Apparemment, je vous encourage d'ailleurs fortement à prendre des jeunes doctants. Alors donc, les dépenses. Vous avez un jeune qui vient d'obtenir son doctorat. Pendant les 24 premiers mois suivant son recrutement, on prendra 200% des dépenses, c'est-à-dire son salaire plus les charges sociales. Si, et seulement si, c'est son premier emploi, donc il faut que ce soit son premier CDI. Et si, et seulement si, l'effectif total de votre entreprise destiné à la recherche est supérieur à celui de l'année d'avant. Donc il faut que vous ayez un effectif qui monte au niveau de votre effectif recherche à l'intérieur de votre entreprise. On l'oublie souvent ce paramètre. Hein. Oui, c'est voilà. Il ne s'agit pas de virer quelqu'un d'avant qui n'est pas doctorant pour en prendre.
Et donc, bien évidemment, non seulement on prend 200% de son salaire, mais, et de ses charges, mais on augmente encore de 100% les frais de fonctionnement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être que quelqu'un le fera, parce que j'ai qu'un quart d'heure. Sachez que beaucoup d'entreprises actuellement, pour pouvoir être sûr que ça fonctionne et pouvoir prendre les meilleurs, prennent aussi dans un autre dispositif des doctorants, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'obtenir leur doctorat. Et dans ce cadre-là, ils ont aussi un autre mécanisme qui leur permet d'avoir des exonérations et qui en plus va avec ce dispositif-là. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous les avez pris alors qu'ils étaient doctorants que lorsqu'ils obtiennent leur doctorat, même si vous les avez pris au CDI, c'est toujours considéré comme le premier CDI et vous pouvez continuer dans le cadre du doctorat. C'est le jackpot. Donc, le montant du crédit d'impôt, il est relativement important, hein, puisqu'il représente 30% donc, de toutes les dépenses de recherche qui sont éligibles, et dans la limite de 100 millions de dépenses, et au-delà, c'est 5%. Voilà. Bien sûr, il faut déposer une déclaration spéciale, et quand vous avez ce crédit d'impôt, soit vous avez l'impôt sur les sociétés qui est suffisamment conséquent pour que la totalité du crédit d'impôt soit imputée dessus, soit eh ben, votre impôt société n'est pas assez gros, donc vous avez encore une créance que vous n'avez pas pu imputer, elle le sera dans les 3 ans, soit vous n'avez pas du tout dans les 3 ans, oui, soit vous êtes une PME ou une GEI et on vous la rembourse tout de suite. La quote-part que vous n'avez pas pu imputer. Alors moi, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est quand même de sécuriser le truc. Parce que vous avez la possibilité de constituer un dossier de formalisation et de faire une demande de rescrit. Vous savez ce que c'est qu'une demande de rescrit ? Non. C'est que lorsque vous avez un doute, par exemple, ce qui peut être votre cas, sur quelque chose que vous devez faire au niveau du crédit d'impôt recherche, et bien tout bêtement, posez la question. Vous pouvez poser la question aussi bien à l'administration fiscale qu'à l'AR ou à la BPI en leur disant, voilà, je vous donne mon dossier. Je vous présente mon dossier avec les caractéristiques de ce que je souhaite faire. Est-ce que mon dossier, mon projet, est éligible au CIR ou pas ? Là, il doit vous répondre. Et qui ne dit rien consent, si au bout de 3 mois, ils n'ont pas répondu, c'est que c'est bon. Pour ce projet-là, pas pour la totalité des frais de recherche que vous pouvez faire, mais pour ce projet-là, vous aurez comme l'acceptation que bah, vous êtes éligible, vous pourrez y aller tranquillement. Quoi. Et si entre-temps, vous avez une modification... Si vous avez une modification de votre projet, faites une demande de rescrit. Parce qu'ils vont vous dire, mais vous ne rentrez plus dans les cases définies à l'origine, et, donc quand vous nous avez déposé la première fois le dossier. Donc s'il y a une modification substantielle, hein, quand même, c'est... Mais il ne faut pas oublier de leur faire une demande pour être sûr, parce que même en cas de contrôle fiscal, si vous leur opposez le rescrit que vous avez obtenu précédemment, ils vont vous dire mais ça n'est plus dans dans le même cadre, en fait. Bien. Après le crédit d'impôt recherche, voici le crédit d'impôt innovation. Donc ça, c'est le petit dernier qui est sorti. Ce crédit d'impôt, il est destiné aux PME, donc c'est à nouveau, je répète, hein, les PME, c'est les entreprises qui ont moins de 200, enfin, au sens communautaire, qui ont moins de 250 salariés, ou un chiffre d'affaires qui est inférieur à 50 millions, inférieur à 50 millions, ou un total actif inférieur à 43 millions. Ce crédit d'impôt était vraiment constitué focus PME. Il a vraiment été là pour aider les entreprises dans le cadre de l'application du crédit d'impôt recherche. Quelle différence y a-t-il entre le CIR et le C2I ? Le CIR, on est, comme je le disais, dans la dissipation d'une incertitude. Alors que le C2I, on l'est dans de nouveaux produits pour une performance technique accrue. Oui, techno au marché. Donc, les conditions d'exigibilité au C2I, c'est soit une innovation produit avec de nouveaux produits, de nouveaux biens corporels ou incorporels, des produits nouveaux pour l'entreprise, des produits nouveaux pour le marché
ce qu'on disait, soit des services nouveaux, soit de nouveaux procédés, soit une nouvelle organisation, soit une nouvelle commercialisation. Alors, en fait, lorsqu'on fait un prototype, la distinction entre le CIR et le C2I, c'est donc la finalité du prototype et l'existence même de solutions techniques. Si les solutions sont déjà présentes, que le prototype sert seulement à vérifier les améliorations, on est dans le C2I. Par contre, si les améliorations nécessitent de nouvelles recherches et de nouvelles démarches intellectuelles, là on est dans le CIR. Et on se retrouve dans le prototype du CIR qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est pas du tout ce cas-là. Là, c'est vraiment dans l'application. Alors, les dépenses qui sont éligibles au C2I, ben, on est à peu près dans le même, dans les mêmes dépenses que finalement pour le CIR, à l'exception près des jeunes docteurs. Donc on retrouve les prestations de services, on retrouve la veille avec les abonnements, on retrouve le personnel, et là on prend les frais de fonctionnement à hauteur de 50%, on retrouve les amortissements qui sont destinés à l'innovation avec les frais de fonctionnement à hauteur de 75%, on retrouve la défense des brevets et les dépôts de brevets. Tous ces éléments donc, sont éligibles au crédit d'impôt innovation, mais là regardez, on n'est pas du tout dans les mêmes eaux, hein. On est à 20% des dépenses, alors que le CIR, on était à 30%. Le CIR, rappelez-vous, c'est jusqu'à 10 millions d'euros. Et là, on est plafonné à 400 000 euros de dépenses. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes eaux. Ce qui fait que le total du crédit d'impôt annuel qu'on peut avoir, bien évidemment, fait 80 000 euros. Donc, quelle est l'utilisation de ces crédits? C'est le même, hein, c'est l'imputation sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés. Si on n'arrive pas à tout imputer, l'excédent est imputable dans les 3 ans, ou des 3 ans il est remboursé, sauf si on est une PME et ou un GEI, ou dans ces cas-là, on peut nous rembourser immédiatement. Alors, juste une chose pour la formalisation du dossier, comme je le disais pour le rescrit, bien garder en tête l'objectif qui est d'identifier les projets éligibles et les moyens associés au cours de l'année, notamment en termes de qualification du personnel, il y a toujours les CV du personnel. Autre chose, prêter une attention particulière à l'élaboration des schedules, donc des temps passés par projet, par personne, par jour, de telle sorte que vous puissiez justifier le nombre d'heures tout le temps qui a été passé sur les projets. Et puis surtout, une méticuleuse description des travaux qui ont été réalisés, de telle sorte que lorsque ces contrôles il y a, vous soyez en mesure, 1, de justifier les temps passés, 2, le travail réalisé, et puis 3, la qualification des personnes qui ont travaillé sur ces projets. Voilà. Oui, c'était juste par rapport à ce que vous parliez tout à l'heure, c'est des crédits à avoir à lycée. Est-ce que quand c'est une entreprise qui fait du soft, les systèmes qui stockent les sources de ces softs, ça suffit comme justification ou pas spécialement? Je peux peut-être répondre. Merci. J'avais non. Ouais, mais parce qu'on fait du software, du coup. La transition. Non, ça suffit pas. Et c'est quand on parlait de documenter en fait la recherche, c'est le rapport de recherche tel que vous devez normalement le rédiger pour que un nouveau chercheur qui vient sur le projet puisse reprendre le projet. Les codes sources. De toute façon, le dossier que vous allez faire pour justifier votre recherche, ça va être une personne qui va démissionner pour regarder ça, qui n'a pas du tout la capacité de comprendre votre code source. Et même, je doute, du document de recherche que vous allez faire. Et du coup, je voulais vous lever une attention par rapport à ça, c'est que si votre document de recherche fait saigner du nez la personne qui la lit, il va certainement missionner un consultant pour le faire. Consultant qui travaille peut-être pour votre concurrent aussi. Donc faites attention aussi à ce que vous mettez dans vos documents et que vous passez en justificatif. Voilà, c'est bien d'avoir deux versions, une version qui montre que c'est de la recherche et une version qui vous sert en interne vraiment avec les choses que vous ne voulez pas qu'ils sortent. Okay. Alors, ma question c'était par rapport au processus. Est-ce que c'est applicable de façon étroite? Des dépenses ont déjà été générées, est-ce que ce sont des dépenses à venir? Dans notre cas, on a déjà, par exemple, fait des dépôts de brevets. Je pense qu'on est éligible GIE. Je pense qu'on rentre dans les cases. Mais est-ce que c'est applicable
façon rétroactive, si la dépense a été faite, par exemple, déjà en 2018 ou en 2017? Alors, c'est dépense année civile. Donc, quelle que soit votre date de clôture, c'est les dépenses qui sont enregistrées du 1er janvier au 31 décembre. Donc, du 1er janvier au 31 décembre 2017, ce sera votre CIR 2017. Du 1er janvier au 31 décembre 2018, ce sera votre CIR 2018 ou ces deux CIR. Donc, c'est uniquement année civile. Si vous n'avez pas déposé de CIR ou de ces deux CIR 2017 alors que vous étiez éligible, de deux choses l'une, ça vaut le coup, faites une rectificative. Ouais. Ça vaut pas le coup, tant pis pour vous. Moi, je voulais attirer votre attention sur ce point-là. Je pense que tous ceux qui sont autour de la table seront d'accord avec moi, de bien documenter au fur et à mesure et les heures, de bien tenir des tableaux, des schedules, pas au jour le jour, mais projet par projet, mois par mois. Parce que si vous avez un contrôle de l'administration fiscale, vous ne remonterez jamais les 3 ans. Le faire a posteriori, c'est mortel. Ouais. Vous ne le ferez jamais. Parce que premièrement, vous aurez des salariés entre-temps qui seront peut-être sortis de la société de vos effectifs. Et puis c'est un travail monumental. Donc, ils sont pas, les contrôleurs fiscaux ne sont pas fous. Ils voient très bien quand on a établi le dossier au dernier moment, quand les tableaux sont faits au dernier moment, et que ça n'a pas été fait au fur et à mesure. Donc, c'est sûr qu'en travail administratif, c'est très lourd, mais pour éviter d'avoir une remise en cause de son CIR, c'est indispensable. Juste, j'aimerais rajouter, c'est 5 minutes par jour par employé chez nous. Voilà. Juste noter les temps. Ouais. C'est pas si lourd que ça si on s'organise bien et qu'on a les outils pour prendre correctement. C'est juste une question de sensibilisation et de volonté d'imposer la chose, quoi. Parce que le problème, souvent, avec ce personnel venant de l'extérieur, c'est que les chercheurs, il faut leur expliquer vraiment l'utilité, parce que eux, ça, ils ne voient pas pourquoi on les embête avec ça. Donc c'est d'être très ferme et dire que c'est 5 minutes par jour, mais ces 5 minutes, il faut s'y tenir, quoi. Voilà. Parce que franchement, c'est important, sinon ça fait mal quand on rejette, bien sûr. Ça fait très mal. Surtout si on vous l'a remboursé. Oui. Parce qu'il faut rendre l'argent. Avec des pénalités, en général. Et c'est un peu compliqué. J'ai peut-être une question hors sujet, je ne sais pas. 2018, c'est l'année blanche pour la Cour. Enfin, ouais. Ça n'a rien à voir. On n'est pas dans ce. Non, c'est votre rémunération personnelle. Oui, voilà. C'était juste pour être sûr que. Non. Alors oui et non. Parce qu'il y avait les salaires. Ah oui et non. Oui et non. Ah. Parce que si vous êtes une société à l'impôt sur le revenu. Ah oui. Ouais. Oui, ça joue. Mais je pense que dans 99% des cas, vous n'êtes pas dans le sujet. Mais c'était pas hors sujet, parce qu'effectivement, les entreprises qui sont à l'impôt sur le revenu, et il y en a qui ont intérêt à l'être, contrairement à ce que souvent beaucoup croient, quand vous êtes à l'impôt sur le revenu, là oui, ça peut être important. Mais non. Mais non. Est-ce que vous avez d'autres questions? Profitez-en. Non. Si. Monsieur. Bon. Si. Est-ce qu'il y a une date deadline par année où il faut reposer les rescrits ou Le rescrit, il faut le demander avant de commencer. Ouais. Dans les 6 mois avant. De telle sorte que vous ayez vraiment le délai des 3 mois, pour être sûr, que le jour où vous commencez votre première dépense, votre rescrit, vous l'avez, comme quoi vous êtes protégé. Il y a un site pour justement les formulaires à compléter et sur impôt.gouv. Hein. Ouais. De toute façon, oui, il y a impôt.gouv et puis il y a. C'est la D2RT. Oui, aussi. Ouais. Oui. Mais sur impôt.gouv, ou sur. De toute façon, ils vous mettront les liens en tout cas. Oui, il y a les liens en tout cas. Puis sur le site. Sur Pofip, vous allez avoir effectivement les liens qui vous permettront notamment pour les rescrits de savoir où déposer.
Donc, Françoise, vous parlez tout à l'heure justement des prestations qui sont, qui sont incluses dans la base du CIR, et notamment dans ces prestations de sous-traitance. On a des labos, actuellement, des labos de recherche publique qui vous sont, que vous utilisez justement à bon escient. Et il faut savoir que ces labos de recherche publique, les dépenses sont à prendre en double dans la base de votre CIR, parce que justement ils sont publics. Alors ça, c'est une formidable transition pour Philippe, mine rien, qui va vous expliquer un peu tout ça. Voilà, donc je vais essayer de compléter un petit peu par rapport à différents points qui ont été dits. Donc effectivement, là on a parlé de la recherche, on va dire, en entreprise. Et vous pouvez aussi faire de la recherche avec un laboratoire de recherche publique. Alors, je me permets juste de... Enfin, c'est plus une vision collaborative qu'une sous-traitance, je pense. Enfin, c'est les vrais projets qui marchent bien, ils sont plus comme ça. En particulier ici, on est plus dans le monde des start-up et des TPE, des petites PME, je pense, ici, tous. Là. Donc, c'est plutôt cette vision qu'il faut avoir. C'est une recherche collaborative et pas une sous-traitance. Enfin, on a des cas de sous-traitance plutôt avec des grands groupes, donc ça arrive aussi. Hein. La vision sous-traitance. J'ai des clients qui ne sont pas des grands groupes, des PME, et qui ont un besoin à un moment donné d'assistance pour un point spécifique qu'ils n'ont pas en interne. Et donc, ils font appel à vous, au CEA, enfin voilà. Oui, tout à fait. Alors après, donc effectivement, le doublement du taux, donc ça a été dit, donc je ne vais pas revenir dessus. Je voulais donner un petit éclairage tout à l'heure, on a parlé de... des docteurs et des doctorants. Donc les doctorants, c'est ceux qui préparent leur thèse. Donc ça, c'est une période qui dure 3 ans. Et l'outil dont il a été fait allusion tout à l'heure, c'est la thèse CIFRE. Donc je dis quelques mots, on n'en a pas parlé. C'est aussi un dispositif très intéressant. Donc là, on est avant l'embauche du jeune docteur, on est la préparation de la thèse. Et comme il a été dit, après, on peut quand même embaucher ce jeune docteur selon ce dispositif. Donc là, on se situe à ça, moins 3 ans. À peu près, 3 ans et demi. Et là, il y a aussi donc le dispositif de la thèse CIFRE, il comporte 2 choses. Il y a un dossier à l'ANRT qui est déposé par l'entreprise, mais le laboratoire, on va dire laboratoire au sens large, université ou institut. En général, enfin, je sais que moi, INRIA, en particulier avec les petites entreprises, on monte le dossier ensemble et on aide éventuellement l'entreprise à monter le dossier. Par contre, c'est à l'entreprise de le déposer en ligne ou sur le site de l'ANRT. Et ça concerne le projet de recherche. Donc, il y a une lettre de soutien du laboratoire, il y a le CV du futur doctorant ou de la doctorante. C'est essentiellement ça. Et donc, le dossier doit être validé par l'ANRT, ce qui vous donne accès à des aides de l'ANRT sur le recrutement. L'autre volet, c'est pour faire une thèse CIFRE. Et ce que demande l'ANRT aussi, c'est qu'il faut y ait un contrat de collaboration de recherche, on va l'appeler comme ça, entre l'entreprise et le laboratoire. Donc ça, c'est un contrat qu'on négocie, qui est négocié. Et là aussi, ce contrat-là, il donne lieu à un flux financier de l'entreprise vers le laboratoire. Ce flux financier, en fait, il est surtout fléché. Nous, le message qu'on porte très fortement à INRIA, c'est l'expertise scientifique qui est apportée par le laboratoire. Donc l'entreprise contribue à une partie de l'apport en expertise scientifique pour le projet. Et ce contrat, il est aussi éligible au crédit impôt recherche, puisque c'est un contrat de recherche avec une description des travaux, etc. Alors là aussi, je soutiens tout à fait ce qui a été dit sur l'autre volet, et je complète sur ce volet-là. La description des travaux dans ces types de contrats, on a une annexe scientifique, une annexe technique. Ça dépend si on est plus sur de la R amont ou de la R&D. Bon, on a tous les volets, parce que c'est vrai aussi pour d'autres projets de R&D, pas seulement les tests CIFRE. Cette annexe doit être rédigée correctement avec une description des travaux, les livrables, etc. Et après, l'entreprise peut utiliser ça pour justifier... comme ça a été dit avant, je ne vais pas en redire. Voilà. Donc ça, c'était pour illustrer sur les tests CIFRE. Je voulais juste dire quelque chose par rapport aux tests CIFRE, parce que j'en ai vu quelques-unes autour de moi. Et je vais surtout parler de celles qui ont raté plutôt que celles qui ont réussi, parce que pour vous donner mon retour d'expérience.
La raison principale pour laquelle une thèse chiffre rate, c'est que l'entreprise voit cette thèse comme un bon moyen d'avoir un ingénieur à bas coût et de lui donner tous les problèmes que de développement, je veux parler de l'informatique, c'est un sujet que je connais bien, de développement informatique qu'elle aurait, et finalement le thésard se retrouve à être un développeur, à être payé comme un thésard, et à faire du travail d'un ingénieur. Et donc c'est généralement soit le thésard qui s'en va, soit l'entreprise qui s'arrête, qui arrête le contrat parce que ça colle pas, ou même du côté académique, à la fin on a rien de concret en fait. Donc il faut vraiment être capable, au niveau de l'entreprise, de challenger, d'encadrer et d'accompagner une thèse. Donc ça veut dire avoir un sujet bien concret, un axe de R&D stratégique à 3 ans. C'est-à-dire que dans 3 ans, vous devez savoir les livrables. Et en plus, vous ne savez pas exactement ce que va trouver votre thésar. Donc il faut que vous sachiez, vous ayez une stratégie de capitalisation et de valorisation du travail de recherche du thésar à 3 ans dans votre entreprise. Si vous vous dites j'ai besoin de quelqu'un qui est super bon dans cette techno, moi j'y connais rien, là c'est la mauvaise réponse, la thèse chiffre. Voilà. Et sinon, nous on a 5 ans, on va avoir 5 ans bientôt, la thèse chiffre c'est quelque chose qu'on envisageait depuis le début. Avant on n'était pas prêt de le faire parce qu'on n'était pas capable de pouvoir encadrer, on était trop dans l'opérationnel et beaucoup trop dans le concret avec nos ingénieurs. Aujourd'hui quand on a un peu de recul et un peu de vision un peu plus long terme, on peut envisager cette thèse. Mais parce qu'on est capable, aujourd'hui, on a la maturité pour l'encadrer et pour voir à 3 ans ce que ça nous apporte concrètement. Avant, ça aurait été trop tôt. Et puis, excusez-moi, pour compléter, quand on a un thésar, on a des aides du CIFRE, justement, je suis d'accord, il faut bien voir aussi le gain au niveau de votre techno, de l'avancée pour votre entreprise, parce que l'aide CIFRE vient en diminution de vos aides sur les cotisations sociales. Donc, si c'est pour fendre, vous le disiez, un thésard pour dire de lui faire faire des tâches, pas subalternes, mais sans véritablement un gain pour vous, en fait, au final, je pense que c'est une perte aussi bien de temps pour l'entreprise, mais aussi de cash, parce que l'aide viendra en déduction. Donc ça, il faut faire attention. Donc, et puis j'ajouterais, en plus, c'est très grave pour le doctorant ou la doctorante. Exactement. C'est vraiment très grave. C'est sûrement ça le plus grave. En plus, il y a des histoires de perte d'argent, mais c'est très grave. Quoi. Parce qu'on fait un plantage d'un projet d'études, donc ça, c'est vraiment grave. Quoi. Et puis, l'entreprise aussi. Hein, et c'est pour ça que j'ai insisté sur l'aspect collaboration, parce que c'est vraiment comme ça que ça marche. Quoi. Et ce qu'a dit Lucas aussi est très intéressant, c'est que de toute façon, moi je le dis souvent, on ne fait pas de la recherche pour de la recherche en entreprise, c'est pas vrai. Enfin, surtout dans les TPE, les startups, etc. Encore plus dans les grands groupes. On peut en discuter longtemps. Mais là, dans les petites sociétés, c'est pas vrai. On fait de la recherche avec un objectif de produit derrière. On fait pas de la recherche pour se faire plaisir. Ça se fait dans les labos publics. Voilà. Ouais. Pas que. Mais non, mais c'est quelque chose. Enfin, nous, on est vigilants là-dessus, quoi. C'est-à-dire que ça peut être un risque de plantage. Si ça, c'est pas pris en compte, quoi. J'ai trop de clients qui, au départ, créent leur société justement parce que ils ont un projet, ils ont un superbe projet. Ils se disent, en parallèle, je vais prendre aussi d'autres projets pour avoir les subventions européennes qui sont à ma disposition. Simplement, les subventions ne financent que 30% en général des dépenses. Et ça devient un cycle infernal. C'est-à-dire que il se dit, je vais avoir des subventions, ça va me permettre de me faire progresser mon projet, mais non en fait. Parce qu'ils ne prennent pas souvent un projet qui est en adéquation avec leur business et leur développement. Et ils s'éparpillent sur des projets de recherche qui n'amènent rien, en tout cas pour leur société. Et c'est une fuite en avant. Tout à fait. Il faut avoir la vision projet et pas la vision subvention. On aime bien les subventions en France et c'est une très bonne chose. Il y a des beaux dispositifs que même les étrangers regardent avec envie. Mais il ne faut pas prendre. Il ne faut pas se dire je vais faire un projet parce que je vais avoir des subventions. Il faut dire je vais faire un projet parce que je sais pourquoi et après on va chercher les subventions. Voilà. Parce que bêtement, 30% de subvention, ça veut dire qu'il reste 70% quand même. Voilà. Et même si vous économisez de l'impôt parce que vous avez dépensé 70%,
l'impôt, ce n'est que alors 15 ou 28 ou 33. Donc, quoi qu'il arrive, il faudra décaisser quelque chose. Donc, si ce n'est pas dans l'intérêt de l'entreprise, c'est pas cool. Je voulais juste en profiter pour compléter. Donc là, on a dit pour la CIF, on a parlé qu'il y avait du contrat entre l'entreprise et... Hein, c'est vrai aussi pour des projets de collaboration entre une entreprise et un laboratoire, même si ce n'est pas une CIF. Donc les mêmes dispositifs s'appliquent, crédit impôt recherche sur le contrat, comme ça a été décrit avec les taux qui ont été décrits avant, c'est avec un labo public à hauteur de 60%. Je voulais juste illustrer quelque chose qui est, je dirais, à côté du crédit impôt recherche. Et nous, à INRIA, on a beaucoup travaillé ça ces dernières années et renforcé. C'est aussi comment est fait le montage financier entre le laboratoire et l'entreprise. Parce que là aussi, enfin, l'objectif de tout ça, c'est quand même de moins attaquer la trésorerie dans les petites entreprises pour pouvoir faire de la R&D, de la recherche, de la R&D et faire de l'innovation et embaucher des gens. C'est ça l'objectif de tout ça, en fait. Donc, on peut aussi cumuler la façon de faire les montages financiers. Je donne juste un exemple. Par exemple, on décrit un projet avec une entreprise, un laboratoire est d'accord, on fait un budget global, on peut avoir des dispositifs tels que le suivant. Pendant la phase de R&D, le laboratoire embauche par exemple un ingénieur pour faire du développement. Dans le cas de l'illustration du domaine de Lucas, le logiciel par exemple, qui est aussi une autre, le laboratoire embauche un ingénieur et pendant la phase de R&D avec l'entreprise, ne facture à l'entreprise que la part salariale de l'ingénieur. D'accord ? Pas les charges, pas le support scientifique, etc. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, dont on propose à INRIA. Donc ça, c'est une chose. Le contrat de R&D, il dure, par exemple, je ne sais pas, 18 mois. Il y a aussi comment on facture et à quel moment on facture. On peut facturer en agençant la facturation avec les déclarations crédit impôt recherche pour ne pas avoir trop de délai entre les deux. Voilà. C'est vraiment, je pense, enfin, après, il faut avoir l'attitude de le faire. Nous, à INRIA, on a encore l'attitude de le faire. Et puis, après, il y a la partie transfert. Donc là, c'est la partie licensing. On peut donner la licence d'exploitation. On peut le faire à travers un contrat de R&D, hein, de donner des droits d'exploitation. Parce qu'encore une fois, comme on l'a dit, l'objectif, c'est que l'entreprise intègre des produits et dans les résultats de la recherche dans les produits. C'est ça l'objectif. Mais on peut faire du licensing. Et dans le licensing, aussi un avantage, c'est que ben, on peut étaler dans le temps. Voilà, donc l'objectif, je voulais juste passer un message, c'est qu'il y a, en plus du crédit impôt recherche, il y a des mécaniques financières, des montages financiers adaptés en particulier aux startups et aux TPE, qui permettent d'alléger l'impact sur la trésorerie pendant la phase de R&D et d'étaler dans le temps. Voilà. À moi. Donc moi, je vais faire la transition entre la thèse de CIFRE et puis le CIR, puisqu'on a embauché à travers le... Je crois que c'était le forum des jeunes docteurs qu'il y avait à Grenoble il y a quelques années. On a embauché un doctorant qui était en fin de thèse CIFRE. Donc on l'a embauché en CDD pendant quelques mois. Et à partir du moment où il a été jeune docteur, on est passé en CDI pour que ce soit son premier CDI, etc. C'était concomitant avec un début d'année... calendaire, donc c'était super. Voilà, donc jeune docteur embauché en continuité complète d'un CDD vers un CDI en tout début d'année. Et nous, donc on fait une activité audio, vidéo, intelligence artificielle. On l'a embauché sur toute la partie audio, enfin traitement du signal et partie intelligence artificielle où bah, il passe son temps à travailler à partir des papiers de recherche par rapport aux problématiques que l'on a sur notre produit. Donc il analyse les papiers de recherche, fait l'état de l'art de ce qui existe, parce qu'on n'est jamais dans quelque chose qui est directement exploitable, et qu'il faut amender les expériences de ces papiers, aller encore plus loin pour pouvoir intégrer le résultat dans nos produits, sachant qu'on fait de l'intelligence artificielle distribuée, collaborative, embarquée. Donc il y a plein de contraintes autour de tout ça qui font que il y a des morceaux qui peuvent exister, mais il n'y a rien qui soit exploitable de façon... ingénierie pure, quoi. Voilà, donc on fait avancer, donc tout est documenté, évidemment, tout le travail de recherche est documenté, les temps sont enregistrés, ce qui nous permet derrière de faire une déclaration crédit impôt recherche, je vais pas dire que c'est sans douleur, parce que administrativement c'est quand même lourd de suivre les templates du ministère, etc. Je dirais simplifié.
Mais ça reste gérable. À partir du moment où le processus et les travaux de recherche sont documentés, je dirais que c'est la partie, le cœur du problème avec le temps passé. Le reste, c'est de l'administratif pur, à remplir du document, du papier, de la façon la plus rigoureuse possible, en se faisant évidemment aider de son comptable et potentiellement d'autres personnes. Moi, je l'ai fait tout seul. A priori, pour le moment, ça s'est plutôt bien passé. Sans rescrit non plus, puisque dans l'équipe, on est trois et on a quand même deux docteurs, dont un jeune docteur. Donc, en termes de positionnement, je dirais, on est clairement à une activité de recherche qui est non ambiguë et simple à démontrer. Et voilà, après, pour la suite, effectivement, je pense que le rescrit doit pouvoir rassurer par rapport au temps de règlement pour éviter d'avoir à interagir avec le centre des impôts et se dire, bon, vous avez bien pris mon dossier en compte, est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que je vais toucher le montant du crédit d'impôt qui m'est dû pour savoir quand ça arrive au niveau de la trésorerie. Voilà. Sinon, ben voilà, ça c'était notre retour d'expérience sur la partie crédit d'impôt recherche. Après, on a eu une autre partie qui était plus purement business. C'est-à-dire, il y avait la partie techno d'un côté, la partie mise à disposition d'un nouveau produit, nouvelle performance, etc. sur le marché, nouvelle fonctionnalité. Et là, on a fait une partie CI. Donc là, c'était plus la partie, je vais simplifier, mais c'était plus une partie marketing, en gros, et conception de nouveaux produits. Donc c'était plus du tout de la partie recherche, mais de la partie plus ingénierie, marketing, nouveau marché, nouvelle fonctionnalité, performance. Où là, on peut aussi faire une déclaration et récupérer quelques subsides de l'État en tant que crédit d'impôt innovation. Voilà. Donc là, il y avait une partie de l'activité des autres personnes ou des activités qui n'étaient pas prises en compte par la partie CIR qui pouvaient être transférées sur la partie crédit d'impôt innovation. Voilà. Après, je suis disposé à répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Alors moi, Claire voulait que je témoigne en fait sur notre façon de procéder avec ces dispositifs. Donc nous, on a créé en janvier 2017. La première année, on était principalement tous les deux au Pôle emploi, on est deux cofondateurs. Et donc au final, on n'arrivait pas aux 15% de recherche et développement pour pouvoir prétendre en fait au CIR ou au statut de jeune entreprise innovante. Donc en fait, la première année, on a fait un CII pour les premiers développements. Et j'ai fait le dossier moi-même, et le résultat, c'est que en tant que directeur, ou bref, j'avais autre chose à faire, ça m'a bien servi de leçon, je ne referai plus, c'est pénible, ça n'a aucune valeur ajoutée, et je trouve même qu'en fait, il faut se faire accompagner. Enfin, moi, au final, ça m'a décidé à la fin de l'année à me dire, j'ai pas de valeur ajoutée sur ce processus, le seul truc qui peut vous intéresser, c'est parcours initiatique, c'est-à-dire que ça vous fait vous poser des bonnes questions et pour le coup, y répondre, ça va vous aider à structurer en fait votre développement. Le document lui-même, c'est ignoble. Vous allez sûrement rater des trucs et moi, j'ai qu'un conseil, c'est faites-vous accompagner. Donc c'est ce qu'on a décidé pour la deuxième année, c'est-à-dire que là, 2018, on fait du CIR et on peut enclencher la GEI. Là, j'ai le dossier de GEI. Je ne l'ai pas fait, parce que je ne voulais pas le faire. J'ai demandé à Ovali de le faire à ma place, et en fait, il est nickel. Et j'ai juste, en fait, eu à dialoguer avec leurs équipes, et les gars, ils ont tout compris à ce qu'on faisait, et ils l'ont tout écrit. Et moi, en fait, ça m'a consommé qu'environ une journée temps plein, et après, quelques heures associées, en fait, pour les parties financières. Bref. On ne fait pas de rescrit CIR, parce que comme on est accompagné par Ovali, en fait, ils vont nous aider au dépôt du CIR, et pour le coup, en fait, ils garantissent, en fait, quelque part, la conformité du dossier. Donc, nous, en fait, on va faire... GEI, déjà. Si vous êtes déjà GEI, c'est parce qu'il y a de la recherche. C'est ça. Donc, en fait, c'est les faisceaux de présomption feront qu'on fait un rescrit GEI, exactement. Et après, on se fait aider pour le dépôt CIR, parce que si la CII... C'est déjà pénible, ben, c'est hier, c'est super pénible. Donc en fait, si vous voulez vous prendre le but à... Parce que vous avez d'autres choses à faire. Moi, j'ai d'autres choses à faire. C'est que moi, je préfère aller dialoguer avec les clients, je préfère aller gérer les équipes, faire avancer les projets. Mais alors, faire des dossiers financiers, c'est rébarbatif à un point. Moi, je ne vous le conseille pas. Il y a toute la relation avec BPI, mais
faites-la sous-traiter. Si vous pouvez avoir les moyens de faire sous-traiter, en plus, avec les dispositifs d'aide, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous allez, en fait, rémunérer la personne qui vous aide au résultat en partie. Donc, en fait, pour vous, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire, au moment où vous allez toucher l'argent, ben, vous pourrez rémunérer la personne qui vous aide. Ça se comprend hein, que certains ne vont pas le faire parce qu'ils vont dire ça va me coûter un certain pourcentage et que ce pourcentage, c'est peut-être déjà trop. Mais franchement, en tant que responsable d'une entreprise, pourquoi vous plierez à faire des dossiers de 20-30 pages de long alors vous avez autre chose à faire. Voilà. Donc bon, merci Claire. Moi, ce que je veux témoigner, c'est qu'il faut se faire accompagner parce que l'État nous a créé une telle machine bureaucratique que maintenant on peut se faire retoquer pour un dossier qui est mal fichu. Si vous connaissez exactement la différence entre preuve de concept, prototype, démonstrateur, à quel moment faut les positionner, études de faisabilité, quand ça rentre dans le cadre de la recherche, dans le développement, quand il faut immobiliser votre R&D, etc., ben vous avez tout compris à la limite des dossiers. Sinon, si vous avez une petite inconnue, eh ben, moi je vous conseille, faites vos compagnies. Bref, c'est mon témoignage. Si vous voulez, je vais en parler plus longtemps. Merci pour le cabinet, pour la valeur ajoutée. Hein. Non mais vous avez raison, chacun son job, quoi. Ouais. Non mais c'est sûr. Alors, du coup, Neovision, je ne sais pas si j'ai dit ce qu'on faisait, on fait du software, comme j'ai répondu à monsieur tout à l'heure, plus particulièrement on fait de l'intelligence artificielle. Et donc l'intelligence artificielle, ça bouge beaucoup, ça va très vite, il y a des papiers de recherche tous les jours. Mes équipes font énormément de veille, ils lisent beaucoup de papiers de recherche, ils vont à des séminaires, ils vont à ICCV, ils vont à des grands salons, des grandes conférences pour vraiment être à la pointe. Et on fait pas que ça, on fait aussi de la R&D. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tester des méthodes, voir, aller plus loin, essayer de voir sur des données clients ce que le dernier papier donnerait vraiment. Donc on fait des stages, on fait des projets de recherche encadrés et menés par des gens en interne. Et donc tout ça, ça rentre dans la case recherche et donc dans toutes les cases qu'on voit là. Donc crédit d'impôt recherche, on en fait pour nous effectivement. Jeune entreprise innovante, alors on ne l'était pas au début parce qu'on a bénéficié de la meilleure subvention qui existe au monde pour créer sa start-up, c'est-à-dire Pôle emploi. On a bénéficié des 60% de notre salaire d'ingénieur, tout droit, qui est pas mauvais, on va dire, en sortant des écoles d'ingénieurs aujourd'hui, pour créer notre société dans 2 ans. Donc effectivement, comme Sensight, on n'avait pas atteint les 15% de charges en R&D pour pouvoir bénéficier du statut jeune entreprise innovante. Donc on s'est dit, bon, bah, tant pis, c'est pas pour nous. On n'est pas jeune entreprise innovante, on est jeune, on est innovant, on est entreprise, mais bon. Voilà. Mais finalement, en fait, en se re-renseignant 3 ans après, en étant finalement en se payant de vrais salaires et en se structurant petit à petit, en devenant une vraie entreprise finalement, on bénéficiait du statut et on a déposé le dossier et on l'est devenu du coup cette année, il me semble. Donc petite astuce, la réduction d'impôt sur la société qui dit que c'est la première année, la deuxième année, ben finalement ça marche quand vous devenez jeune entreprise innovante. Donc on l'a eu cette année et on l'aura l'année prochaine. C'est-à-dire 100% cette année, ça fait plaisir, et 50% l'année prochaine sur l'impôt sur la société. Ce qui a été dit rapidement, ça a été dit qu'il fallait que les gens fassent de la R&D pour qu'on puisse bénéficier des charges, des exonérations de charges. Il faut que les personnes soient au moins à 50% en R&D. Ça, c'est important. Quand on parlait tout à l'heure d'un patron dirigeant qui fait aussi de la R&D, qui est à 80%, j'aimerais bien le lui rencontrer pour savoir comment il fait. Parce que moi, personnellement, c'est pas possible pour moi. C'est pas possible, je trouve, de faire plus de 50% quand on est patron, qu'on a 1000 autres choses à faire. Moi, si je suis vraiment honnête sur mes temps, je dois être à 10% en R&D. Quoi. Donc je rentre pas dans la case et donc je paye les charges patronales plein pot pour moi, mais tant pis, c'est le jeu. Je confirme, hein, il faut noter ses temps et je tape sur les petits créatifs qui voient pas le temps passer pour qu'à la fin de la journée ou du moins à la fin de la semaine ils rentrent bien leur temps parce que j'ai pas envie qu'en 2 mois ils me disent qu'est-ce que j'en sais, combien de temps j'ai passé, il me fait chier mon patron, je vais mettre 2 mois, voilà. Donc ça marche pas. Et un, pour le suivi en interne de nos projets et pour savoir la rentabilité des projets et assurer le suivi, et deux, pour topper ces indicateurs en fin d'année pour avoir des vraies subventions qui collent à ce qu'on fait. Le crédit d'impôt recherche, on voyait, il a explosé là ces dernières années.
Malheureusement, c'est surtout les très grosses boîtes qui en bénéficient, qui abusent beaucoup, qui se font accompagner, qui ont même des gens en interne qui passent leur temps à monter des dossiers et à essayer de faire passer du développement software en R&D. Beaucoup de gens font ça, beaucoup de sociétés de services, de grandes sociétés de services disent qu'ils font de l'innovation. Voilà, je vais pas dire ce que je pense de ça, mais c'est abusé, clairement. Et je pense qu'il y a beaucoup, ça, on en parlait tout à l'heure avec Philippe, ça serait bien qu'il y ait des contrôles qui se fassent dans ces grosses boîtes plutôt que des gens qui viennent embêter des petites PME comme nous et des petites startups qui essaient de se démener pour innover, pour vraiment faire de l'innovation. C'est juste ce que j'en pense. Et après, à côté de ça, donc moi, j'en profite de ces aides. Donc le jeune entreprise innovante, c'est vraiment bien. Si vous avez l'occasion de le faire en tant que startup, vous êtes tous innovants et jeunes, donc débrouillez-vous pour le devenir. Même si c'est chiant au niveau administratif, faites-le vous-même si vous avez du temps, et faites-vous accompagner si vous n'avez pas de temps. En gros, c'est ça que je donnerais comme conseil. Au début, j'avais beaucoup de temps, donc j'ai fait mon agrément CIR tout seul, ça passait comme une lettre à la poste. Et je m'étais dit, bah cool, j'ai pas eu besoin de me faire accompagner et payer pour ça, mais c'était une époque où j'avais du temps. Aujourd'hui, si je devais refaire l'expérience, dans mon état actuel, je le sous-traiterais clairement, parce que, on l'a très bien dit tout à l'heure, c'est pour un chef d'entreprise, en tout cas, dans ce qu'il a à faire dans la journée, ça n'a pas beaucoup de valeur de rédiger ces documents-là. Et après, pour mon retour d'expérience par rapport à la recherche en elle-même, donc ah oui, il y a le donc on fait du service pour les entreprises, donc on a besoin d'être innovant, d'être expert, donc pour ça on fait de la R&D en interne, mais on vend de la R&D à nos clients, et pour ça il y a un dispositif qui s'appelle l'agrément CIR. On parlait tout à l'heure des prestataires, donc il y a les labos de recherche qui peuvent vous vendre collaborer avec vous pour que vous ayez accès aux dernières innovations et aux derniers aspects scientifiques, mais il y a aussi des sociétés privées comme NeoVision qui sont agréées, donc qui ont fait un joli dossier qu'ils ont envoyé pour être agréé crédit d'impôt recherche. On a aussi l'agrément crédit d'impôt innovation, et ça concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une société passe par nous pour une prestation de R&D ou une prestation d'innovation, dans les termes qui ont été définis précédemment, vous bénéficiez de 30% de, comme quand vous passez par un labo quoi, de 30% de subvention sur la recherche et de 20% sur l'innovation. Donc qu'est-ce que ça implique? Si vous faites du pur produit, ben vous faites de la R&D, c'est en interne. Si vous faites du service pour des clients, il faut faire très attention, et pas mal de conseils nous ont dit de ne pas mélanger les deux. Moi, je suis pour bien étudier la question. Si on fait bien attention à nos temps et qu'on segmente bien les projets, qu'on ne fait pas des vases communicants dans tous les sens pour par rapport à nos projets, je pense qu'on peut faire les deux, et nous on le fait. Alors la règle simple, qui est une règle des doigts, qui est très simple à retenir, c'est l'État ne paye pas deux fois pour la même chose. Donc clairement, si vous avez donné 1 euro pour un truc, il ne vous redonnera pas 1 euro pour cette même chose. S'il donne 1 euro à votre client parce qu'il a bénéficié du crédit d'impôt sur ce que vous avez fait, il ne vous donnera pas 7 euros à vous. Donc se dire, oui, je vais faire de la R&D en 2018, ça passe vite. Et me faire financer du coup ma R&D et l'année d'après le vendre, et que ce soit mon client qui en bénéficie, c'est niet. Voilà. Donc ça, moi je suis bien. Vous pouvez peut-être préciser un point par rapport à l'agrément, parce qu'il y a un vrai problème quand on fait de la R&D en interne et qu'on fait de la prestation. Enfin, je vous laisse préciser, mais il y a un vrai souci. Oui, c'est comme l'a dit à juste titre Lucas, l'État ne va pas payer deux fois. Donc l'entreprise qui obtient l'agrément, donc c'est ce que vous avez obtenu, c'est oui, ça, l'agrément CIR, donc vous vendez votre R&D et votre client... Non, attention, je vous contredis, c'est pas notre R&D qu'on vend, c'est nos clients qui nous achètent les prestations de R&D. Voilà, mais en tout cas, la facture que vous leur émettez, vos prestations que vous leur vendez, elles sont pour eux éligibles au CIR et ils peuvent l'inclure dans leur base de CIR. Donc, ce qui veut dire que chez Lucas, les factures et la prestation que vous leur vendez, vous la déduisez de la base de CIR, logiquement. Comptablement, c'est comme ça. Hein. Et fiscalement. Vous pouvez déduire non seulement le coût de ce que vous avez fait, plus la marge. Bien sûr, mais bien sûr. Donc ça veut dire que si vous faites R&D en interne, Et c'est pour ça, c'est bien ce que je disais, c'est qu'il y a des sujets de R&D différents, il y a des projets... Non, je suis d'accord avec monsieur. Fiscalement... Vous avez la R&D que vous produisez en interne, que ce soit pour vous, les heures de R&D que vous produisez pour vous personnellement, votre entreprise, ou que vous vendez pour un client.
Donc ça, ça vous donne une base de cire, de R&D, sur laquelle vous pouvez appliquer 30% pour avoir votre cire. Simplement, auparavant, l'administration fiscale était moins regardante, c'est-à-dire que les entreprises déduisaient en coût de leur, sur la base de leur cire le temps passé de, pour la R&D qu'ils vendaient, enfin la prestation de R&D qu'ils vendaient à leurs clients. Simplement, maintenant, ils ont vu le petit souci, et donc maintenant, il faut déduire la facture intégrale, c'est-à-dire le coût plus la marge. Donc ce qui veut dire, moi personnellement, je me suis retrouvée chez un client qui, pour faire plaisir à un de ses clients qui, pour lequel il pensait avoir un gros contrat, il a demandé l'agrément. Simplement, ça l'a mais vraiment, vraiment pénalisé au niveau de son CIR. Donc, qu'est-ce qu'il a fait l'année suivante? Il a demandé le retrait de son agrément. Parce qu'on déduit l'intégralité de la facture. Coût plus marge. L'intégralité du produit. Donc, après, si vous avez une grosse enveloppe de cire à la base, ça peut être toujours intéressant, parce que c'est aussi, je pense, une partie de votre business. La R&D que vous... La prestation de R&D, c'est aussi une partie de votre business. Donc, il y a des entreprises, c'est une partie de leur business, donc ça a un intérêt. Par contre, l'entreprise pour laquelle ça n'est pas une partie de son business, je suis d'accord avec monsieur, c'est très pénalisant. Ah oui, complètement, oui. C'est pour ça que depuis fin 2014, en fait, l'État a autorisé les sociétés à pouvoir abandonner l'agrément. Exactement. En fait, ce qu'il faut se poser comme question... Et même si votre client, en fait, n'utilise pas sa facture, votre facture, ou s'il dépasse le plafond... Alors, si votre client ne demande pas de CIR, à la rigueur, vous lui demandez une attestation, vous n'êtes pas obligé de déduire cette prestation. Par contre, si votre client fait partie des grosses multinationales qui sont plafonnées au niveau du CIR, il ne va pas vous dire votre facture elle est au-delà du plafond, elle n'est pas dans mon CIR. Donc, dans tous les cas, même si lui, il est plafonné et il n'obtient pas de CIR sur votre prestation, en tout cas, vous devrez la déduire de votre base, en intégralité. En tout cas, effectivement, ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu compliqué tout ça. Si vous n'avez pas le temps, faites-vous accompagner. Moi, je me fais accompagner, puis je me pose plus ces questions-là. J'ai entendu que c'était des trucs compliqués que me disait mon comptable, donc ça, il gère très bien. Là, concrètement, moi, mon retour d'expérience en tant que petite boîte sur ces outils-là, c'est que c'est des très bons outils qui permettent de financer votre recherche, qui vous permettent d'être compétitif, notamment pour l'agrément par rapport à vos concurrents. Clairement, si vous avez 30% d'aide, votre R&D qui coûte cher, qui est risqué, c'est en partie l'État qui prend le risque pour l'entreprise, donc c'est vraiment très très bien. Après, moi, si je devais conclure juste sur tout ça, la recherche c'est très bien, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on va en faire, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'on en retire. Il ne faut pas faire de la recherche pour juste faire de l'argent et récupérer une partie des salaires de vos employés. Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher au final et ça n'a pas d'intérêt. Et vous rentrez dans le jeu des grands groupes qui arnaquent tout le monde en faisant ça. Et moi, je trouve que c'est malhonnête. Je préfère être réglo sur les temps de recherche que je fais, sur vraiment bien définir mes axes de recherche, que ce soit bien cohérent aussi par rapport à mon entreprise et par rapport à ma stratégie d'entreprise. Et travailler après avec les bons acteurs, avec les labos de recherche qui sont compétents pour cette partie-là, avec des prestataires qui sont agressés hier quand il y a des choses un peu touchy. Mais ça nécessite d'avoir une vraie stratégie de recherche dans l'entreprise. Bon, là, on a un grand signe de la part de Claire. Je crois que notre temps est imparti, est écoulé.